chanteur, n'importe quelle chanson, tu lui donnes trois mots, il fait une chanson avec, quoi. Ah, moi, j'en prendrais bien un peu aussi, tu vois. On va demander... On va demander au public. Non, on va demander à Gilbert de lui donner le nom d'un chanteur québécois, si tu veux. Alors, Céline Dion. Et on va vous demander au hasard à une de vous de donner deux, trois, un thème, quoi. Une journée de rêve. Une journée de rêve avec Céline Dion. Et le monsieur ici à ma droite a ajouté « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Il va nous falloir un petit décompte de 10. Alors, 10. 10 secondes, c'est rien hein, pour réfléchir. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Il va donc y avoir un rappel pour Thomas et Franck. Mais dans l'euphorie générale, ont-ils raison de s'y soumettre? Réponse dans un instant. Avant la pause, nous avons rencontré Thomas Boissy. Ah, attendez, je viens de reconnaître quelqu'un. Thomas chante, mais d'une façon singulière. C'est totalement improvisé et qu'on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Donc il va nous falloir un thème sur lequel on va raconter une histoire et un artiste très connu pour qu'on change les paroles de sa chanson. Il était peut-être un poil prévisible que vous allez lui demander une chanson de Dev. Tout à l'heure, en improvisant sur Vanina, Thomas a cassé la baraque. Du coup, le public en veut plus. Une journée de rêve avec Céline Dion. Il va nous falloir un petit décompte de 10. Alors, 10. 10 secondes, c'est rien hein, pour réfléchir. 10, 5, 4, alors que le jury n'a toujours pas donné son verdict, à nouveau, Thomas va donc imaginer d'autres paroles, cette fois sur Céline Dion. Mais a-t-il raison de se lancer dans un deuxième numéro? Ce soir, je vais improviser dans l'émission incroyable Talent. Un jour, mais en danger, je risque certainement de passer quand je vais voir le public et chanter. Attention, tu risques bien de te réveiller. Et là j'ai compris où j'étais quand je me suis réveillé. Change de chanson en plus. C'est un malade mental, c'est hallucinant. Je me suis dit attention, de pas trop te laisser emporter. Je sais que tu aimes bien, mais souviens-toi qu'au bout de tes doigts, si la nuit tu dors, quand tu t'es réveillé, tout ce qui brille. Artiste, deux numéros de suite, deux standing ovations, du jamais vu dans notre émission. Pour Thomas et Franck, c'est un triomphe. Que dire après ça? Vous êtes incroyable. Vous avez un incroyable talent. J'ai pas aimé ça, j'ai adoré, mais vraiment adoré. Et au nom du Canada, je vous déclare de salut public. Alors on vote, les amis? Ah, c'est oui. Un énorme, 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 énorme oui. Un million de oui. Un million de oui. Bravo. Merci, merci, merci.
ça fait du bien, hein. Hein? Juste pour ça, ça valait la peine de venir. C'est chaud, mon vieux, là-dedans. Il a fait chaud, il a fait très chaud. Mais c'est pas important. On espérait que ça se passe bien, et là, c'est un délire. Que tout le public soit debout à la fin, et plus le jury qui dit que c'est formidable, c'est ce qu'on pense, nous, de ce spectacle depuis quelques années, mais ça fait chaud au cœur de l'entendre et qu'il y ait un résultat pareil. Mille merci, c'était vraiment génial. On est bien. On est là. On vous embrasse tous, merci beaucoup. Merci. Plébiscité par le jury et le public.